Alors, merci de merci nous suivre. Merci de nous suivre. Et à bientôt. Ah, vous avez les lignes des cigognes. Ouais, les mettre. Mais ouais. Mais là, ils sont pas. Voilà les amis, je vous montre où est le bas. Voilà. Alors là. Ah, c'est des dunes de sable. Oh, c'est joli ça. C'est des dunes de sable. Ah, c'est ça? Ouais, je sais pas. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'il y a un autre nom si vous le savez. Vous me le dites parce que. Ça, c'est l'eau quand elle le baisse, en je fait, sais pas tout. Le ouais. Ça fait une marée basse, c'est pour ça. Ah ouais, c'est beau hein, quand même. Mais il y a une promenade là, pour aller à pied, je savais pas. Un peu tout, mon amour. Ouais. Ah oui, il y a là. Il y a là. On sera arrivé au bout du pont. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais parce que là, en fait, on est obligé de prendre Welba. Et on. Joli nom. Et on va à la laverie. Là, voilà, mais... on a de grosses laveries à faire. Hein. Ah oui. Bonjour, tout le monde. Et après, on va en direction. Yeyo Tinto. 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 Yeyo Tinto. Ouais, Tinto, c'est. Coloré, ouais. C'est le fleuve coloré. Bon après ça casse pas des mines quoi. Hein. Non. Ouais. C'est joli, mon dieu. De tout côté. Ah ouais. Voilà ça. C'est trop beau. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, où se trouve la laverie? Nous dira, c'est un peu plus loin. Ouais. Ça doit être par là, non? On va c'est sur la gauche. Hein. Ça doit être là. Votre destination se trouve sur la gauche. Ouais, la laverie. Tu la vois? Non. Je vois pas de laverie. Moi non plus. Peut-être qu'elle n'existe plus. Ah. Automobile, non. Boutique. Je vois pas. Mais ça. C'est couillon ça. Mais ouais. Les légumes. On a dû la louper, non? On a dû la louper, peut-être que je sais pas. Tu veux que je descende, que j'aille voir à pied? Pour descendre, attends, je vais refaire le tour. Ok. Ça marche. On refait le tour. Hein. Oh, ouais, vas-y. Si le fou, tu demandes à quelqu'un. Parce qu'après, là, t'as la place des toros. Là, la place des toros. Ouais. Ça fait que je crois que derrière, il y a un parking. Ah. À la limite, on peut aller se garer là-bas et venir. Et à voilà. Pied. Ok. Mais bon, il faut trouver quand même la laverie parce que si elle y est pas, c'est pas la peine. Allez, on refait un petit tour. Un petit tour de manège. Attention, c'est orange doucement. Alors, oui, attends. Ouais. Après, quand on reprend la rue. Ouais. C'est grand l'avenue là. Elle est grande, hein. En Espagne, il y a beaucoup de parcs, par contre. Hein. Mais l'avenue, ça me fait penser un peu l'avenue oui. À Barcelone. À Barcelone. Où il y a la place ouais, des Ramblas. Peu... Bon, on va la trouver, cette petite. Bah, par contre, lui, elle ne dit plus rien, hein, là. Non, mais c'est pas grave, là, ah. On sait où on est. Là, c'est bon, là, du coup. T'inquiète pas. La place des toros. Voilà. Grand hein, quand même hein. Et ils sont tous hyper couverts. Ouais, ils ont froid. Il fait. Comme il fait. Une vingtaine de degrés. Et ouais. Ils sont habitués ouais, à la chaleur, je pense. Route, je pense. Bon, on allez, recommence. On fait le tour. Hein. C'est bien parce que tu pourras remonter la cathédrale voilà. Ou la chapelle, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, alors, il faut, toi tu regardes à gauche et moi je regarde à droite. Allez, ok. Comme ça on gère. On va y arriver. Hein. Ouais. Ouais, il y a le bougainvillier là, il y a une grande place, hein. C'est joli, le bougainvillier. Oh, il y a la police, juste devant nous. Alors, il
faut. Alors toi tu regardes à gauche pardon. Et moi je regarde à droite. Cafétéria. Clinique dentaire. Merde, c'est la marque Carrefour, t'as vu? Carrefour Express. Non, j'ai pas fait attention, moi je vois plutôt là. Tous les coups, ça devait être là parce que là je vois qu'il est fermé le truc. Je le vois pas, hein. Orange. Sinon, on va regarder s'il y en a un autre. Tu veux te garer à la place et je cherche. Je vais le demander. Non, je vois pas, hein. Y a non, pas. Je vois pas moi non plus. Demande-lui, voilà. J'ai de la chance que tu sais parler en espagnol quand même, pour demander les choses, parce que moi je m'en serais pas sorti, hein. Ouais, tu me diras le traducteur, mais bon. Voilà, Chouchou va demander où elle est la laverie. Ah, je la vois. Mais c'est trop tard. Il va y aller pour rien. Et Mimi, elle surveille. Et Mimi. Et ma fille. Il va arriver, papa. Et mon amour. Il va arriver, papa, oui. Et le garçon. Moustique. Moustique, il me montre ses fesses. Hey. Coucou. Et princesse. Où est ma princesse, maman? Oui, oui, maman. Oh, ma fille. Oh, ma fifia, maman. Garçon. Oui, mon garçon. Eh? Il est où, mon garçon? Là, viens. Oh, ah, il arrive. Papa, il revient. Hop. Ah. Bon, je vais vous montrer la place des taureaux. Et là on voit Jack, hein. En fait il est garé un peu à l'arrache, c'est pour ça que je reste autour. Et du coup il y a Doudou qui est en train de s'occuper de la machine pour laver. Alors en fait elle est là-bas, la rue que vous voyez. La rue là-bas au fond. Bon elle est... ouais, après les rideaux bleus là-bas. Donc là dans 10 minutes elle a fini la machine à laver, là elle va mettre dans le sèche-linge et elle va venir me rejoindre. Parce qu'après on a une demi-heure, donc on va attendre. Et voilà. Et là vous voyez Jack. Je tourne doucement. Donc, je fais gaffe parce que c'est pas évident de garer un linger comme ça dans la ville. Voilà. Bon allez, bisous, à tout à l'heure. Bon, ça change de décor là un peu. On s'est éloigné de la mer. Mais bon, c'est tout autant joli. Hein. C'est l'avantage en camping-car que quand on a envie de la mer, on y va. Et après, à bout d'un moment, quand on a marre, on peut rentrer dans les terres. Bon, par contre, c'est un peu bruyant. Parce que la route est en mauvais état. Donc, du coup, ça résonne un peu. Je pense que rouler toute la journée comme ça, là, ça va. Bon, ça va être qu'on avait qu'une heure de. Ouais, comme elle dit Doudou, ça serait fatigué. Les oreilles. Bon, ça fait sec quoi ça? On voit qu'il manque de l'eau, hein. Ah, il y a les messages. Ah, ben là, il y a Doudou qui est en train de chercher une adresse pour le spot de Rio Tinto. On va regarder sur Parfortnite, là. Je pense qu'on va aller sur les mines de Rio Tinto. Je crois que j'avais vu
un spot. Tu as trouvé, Toto? Non, je cherche. Tu cherches? Cerce. Bon, je vais vous montrer un peu devant là. Il y a des baies. Oui. Il y a des baies. Comment il était ton spot? Ouais, montre-moi si tu peux. Attends. Ben tu tapes les mines de Rio Tinto. Oui, mais j'ai tapé, mais il y a plusieurs parkings. Il y en a plusieurs. Ouais. Ben tu choisis comme tu veux, tu prends celui qui te plaît le plus. De toute manière, c'est que des parkings terre battue, hein, je crois. Ah. Il y en a un qui est à côté carrément. Je crois. Alors là, on voit bien. Je sais pas si ça rend comme ça la caméra. On va le déniveler. Attends, tu veux que je le... Ah non, mais ça va, je sais pas si cherche dans mon moment. Cherche, parce qu'après je vais faire demi-tour sinon, si on va trop loin. Ah, c'est joli là. C'est en hauteur. Et ils ont oublié de mettre le goudron là, non? C'est du goudron, mais c'est pas du bitume, c'est juste bizarre. Ça. Et marron aussi. Ah, regarde le Rio, tiens, quoi? Tiens, chérie, filme-le en bas là. Mets-le en bas. Ah, il est tout à fait en bas. Ouais. Ouh, pas trop près, papa. Ah, ben on le voit bien là. J'espère qu'ils le verront bien. Oui, ça se voit bien. On vous amène avec nous partout. Dans les plus belles hauteurs de Rio Tinto. Ah, on le voit bien, hein? Ah ouais, ouais. Voilà, je crois pas que... Ah ouais, dis donc, le fleuve, hein? Ah, on voit bien, là. C'est quoi, cette couleur? Ouais. On va passer sur le pôle, là. Ah, on va le voir, là. Ah, ça, ah ouais, là, on voit super bien, là. C'est joli! Oh le pont, regarde! Ah, je vous filme là, je suis un peu descendue pour aller promener avec les bébés un petit peu pour les faire courir. Moustique, tu te vas trop loin! Tic! Regardez! Une autre vue, là c'est plus la plage, hein. C'est les montagnes. Ah là, il y a Jack. Voilà! Oh, on entend un petit oiseau. Je sais pas si vous l'entendez. Ah, ça y est, on l'entend. Magnifique. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Toute petite rivière. Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est comme fleur ça? Regardez ce que ça fait. Je sais pas ce que c'est. Et là c'est des boules blanches. Je sais pas. Thank you.
Là. Ah ouais. Ah ben là, c'est la... voilà, ben là, on a la mine. Hein. Prendre à droite sur H. On voit bien, hein. Ah, prendre à droite. Ah, il y a un camping-car là-bas. Et oui, il me dit prendre ouais, à droite. Ouais, ben là, tu prends à droite, ouais. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Bien les mines, hein. Donc celle-là, c'est au plus près. La mine, elle est derrière. Mm-hmm. Je sais pas si tu l'avais prise à l'heure, non, descendant. Ah, peut-être qu'il faudra monter là. Regarde. Non. Mais tu te gares, il faut aller à... Ouais. On prend on les vélos. À bord, ouais. On prend les vélos à la rigueur. On va voir, on va voir. Ça ah, non, moi. Oui mais c'est ce que j'étais en train de filmer hein. Ah. Oh là le camion. Ouais. Celui-là il date de Béthusalem hein. Ferrocarri. Parking visite. Et voilà, nous sommes au Rio, aux mines de, du Rio Tinto. Et en fait, il n'y a pas de train aujourd'hui. Il y a une visite en train. Donc du coup, on va attendre demain pour voir s'il y est. Alors, je vous montre un peu. C'est joli, hein. Donc du coup, là, c'est la gare en bas. Côté le plus dur, ça va être toutes ces marches, là. Voilà. Et Jack est devant. Hein. Il est là, il est juste là. On va aller voir. Qu'est-ce qu'ils disent à la guitoune là. C'est joli les banques. Une fonte là. Regardez ces banques comme ils sont beaux. Vous voyez, c'est fermé. Et souvent, le jour où on arrive, c'est fermé. En fait, on devrait venir le jour où on ne veut pas venir. Ah oui. Ouais. C'est bon, là. C'est les escaliers, là. Vous voyez, là-bas, la carrière. On a plein de différentes couleurs, ça va être les différentes couches quand il gratte. Ouais, ben, on a fait le tour. Bon, on va attendre demain. On va voir ça. Je pense que là, on va aller marcher jusqu'au barrage. Là. Marcher ou prendre les vélos. On va voir. Voir du tout. On va décider. Bon, allez, à tout à l'heure. Bonjour les amis, tout le monde. Voilà, on... En fait, on va prendre les tickets, il y a un train l'après-midi, il paraît. Donc, au musée, ils vendent les tickets, donc on va au musée. On va aller chercher les tickets pour cet après-midi à 13h30, on va prendre le petit tchou-tchou. On va vous le filmer. Ça donne marrant. Bon, de toute façon, il y a 1h30 de, ouais, mais pour nous, de train. Bien, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on n'aurait pas pu le faire à pied. Hein. Voilà. C'est donc, pas ça possible. Ça nous va très bien. Là, on remonte. C'est joli les on couleurs. On va vous montrer là, les différentes couleurs. Là. Couleurs, ouais. C'est magnifique ces couleurs. Ouais. Bon, c'est dommage pour la terre parce que
C'est une carrière quand même, mais bon, la couleur est jolie. Alors Doudou, qu'est-ce qu'on fait? On reprend à gauche là? Oui. Je te fais le GPS. Hop, t'es, on est mort. Allez-y, on est mort. À gauche. Tournez à gauche. On est mort. Merci pour moi. T'as d'autres qualités, mais là, j'ai Donc là, on va aller au musée pour aller... Alors attendez, je me baisse un peu le masque, comme ça vous allez m'entendre. Nous allons... Eh oui, on va au musée parce qu'on va aller chercher les places pour le petit train pour cet après-midi à 13h30. C'est le là où il y a... Tchou-tchou. Voilà. Donc là, on est au... Au musée. À tout. Je sais pas, avec les reflets, là. Je sais pas si on peut voir. Je vois que ça marque assez leur tour. Attention. Là, vous avez la pancarte. Hop. Il est gros, hein. T'es où? Je t'avais pas vu. Oh génial. Je t'avais pas vu. Oh punaise, j'avais pas vu. Trop bien fait. Ah, 10h30, ça ouvre. Ah, 10h30. Oh, ça va. Toi, regarde ce que je vais prendre. Là. Ah oui. Petit train. Oh la chaîne. Et ça devant, t'as vu ça devant? Le poids que ça va faire ça. Oh, c'est un gène. T'es quand il devait le bouger quand même. Ah, ah ben là il y a le circuit. C'est cloué toi? Non, c'est pas. Je sais pas. On va voir. Voilà, ça nous fait 20 minutes, ça va. Ça va. Ou alors on descend à pied, t'as pas vu que là-bas il y avait un bistrot, on peut les prendre dans les tapas pour le matin. Ah ouais, 20 minutes, on attend de les prendre. C'est pas circuit, ça. C'est quoi, ça? Bienvenue au parquet minero de Rio Tinto. Ouais. Ah ben là en bas c'est les mines, hein. C'est là où on a dormi. C'est là où on ira cet après-midi. Et ouais. Pas dire, non, c'était pour te prendre un peu. Bonjour. Moi. Ça aussi, ça doit pas partir. Ah oui. Parce qu'elle faisait forage. Doudou. Hein? Oui. On fait quoi en attendant que le musée il ouvre, hein? On boit le café et on mange des churros. Voilà, Doudou, elle a pas voulu qu'on aille prendre des petites tapas. Alors bon, on se venge sur le café. Elle va sortir quand même un petit gâteau hein, pour me calmer, elle m'a dit. On en prend un, on le partage. Lequel tu veux? Hop là. Je suis pas assez ronde, hein. Qui? Moi? Ah, finalement, celui-là, je veux pas. Je ne crois pas. Celui-là, il a l'air appétissant. Ah, merci. Voilà, bon, lequel vous voulez? Bonjour, Fifi. Bonjour. Oui, garçon. Oui, mon garçon. Il est là, garçon. Oh, garçon, il stresse. Dès qu'on le prend, il stresse. Lui, il faut. Lui... Oh, tu vois, regarde le râler. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bonjour, mamie. Il veut un petit morceau de gâteau. Sacrilège. Un petit morceau. Pas de chocolat parce que c'est mauvais. Maman, il n'y a rien comme chocolat. Quand même, un peu de chocolat. Non, c'est mauvais. Il est tout petit. C'est mauvais, le chocolat. Mais non, s'ils en mangent souvent. Le chocolat, c'est mauvais. C'est tous les jours. C'est pas pour moi. Ah. D'accord, j'ai compris. Désolé. C'est mon amour. Voilà. C'est la fête. Après, il n'y a plus, hein. Alors, hier soir, on a bu l'apéro. Vous allez dire encore. En fait, on a rencontré des abonnés. Des abonnés qui nous ont reconnus. Parce qu'ils nous ont vus à la plage où on était, voilà, à Punta Negra. Ils n'avaient pas osé venir nous voir. Puis là, on s'est retrouvés encore à Rio Tinto. Mm. Et du coup,
On leur a dit, ben, on va faire l'apéro ensemble. Du coup, hier soir, on a fait l'apéro ensemble. Avec Alain et Dany. Voilà. Et super, on a passé une excellente bien, soirée. Ouais. Ils ont beaucoup voyagé. C'est des abonnés parce que ils nous ont fait rêver. Voilà, oui. Voilà, voilà. Hé, hey, Toutou. Hello. Ça vous dérange pas si je vous prends sur la caméra? Ah non, de toute façon. On n'a pas osé, ah ben voilà. Vous le demander. Parce que moi, je veux des souvenirs avec des arrières que j'ai passé à la nuit. Allez, vas-y, rentre dedans. Alors, on se filme tous les deux. Allez. Hello, coucou bébé. Oh, ah ouais. C'est chaud. Hein. C'est ouvert. Voilà, ça fait plus Far West, hein. Mets-toi dans le côté, nous, où c'est ouvert. On va se mettre là, nous. Ah, ouvert, voilà. Ça tourne, là. C'est-à-dire qu'on a un coup dans un sens, un coup dans l'autre, pardon? Pardon? Ah, je sais pas. Bon. Oui, parce qu'il faut qu'il revienne. Ah, mais sûrement. C'est à moins qu'il fasse un tour. Du coup, ça fait très, très style Far West. Hein. Je sais pas si on va voir les Corées et les Indiens. Aïe, aïe, aïe. C'est parti. Siempre nos van a acompañar en el curso del Río Tinto. Más tarde explicaremos acerca de sus características principales, características físicas, químicas, geológicas y biológicas que hacen del Río Tinto un río único en el mundo. En un principio, los paisajes que vemos son paisajes casi por completo deforestados. Esto es debido a las contaminaciones de minerales al aire libre llevadas aquí a cabo desde el siglo XVIII. En el año 1725, el Río Tinto se... Y aquí a la izquierda recuperamos la vista. Ahí nos aparece de nuevo el río. Más tarde vamos a explicarle acerca del río. Vamos a estar todo el rato encima, pasando por el río. Y a la vuelta volveremos a verlo igual, ¿no? Esto quiero explicarle acerca de sus características principales. Aquí a la derecha, mira, debajo de la escombrera aparece un color amarillo. Ese color amarillo es el azufre residual que queda después del proceso de la fundición. El mineral de Huelva es muy sulfuroso, contiene muchas veces más de un 50% de azufre. Ese mineral, obviamente, quitar el azufre por completo es imposible, ni siquiera después de la fundición, porque tú eso lo fundas, al final queda azufre en la escoria. Cuando se apaga la escoria, el azufre está ahí. Por eso, una de las grandes ferroviarias. ¿Quién dirige los trenes a los diferentes departamentos de la vieja industria? Ahí tenemos parte de este parque móvil ferroviario. Veo lo que es chido. Fue empleado por diferentes empresas mineras, sobre todo la empresa británica, que tuvo aquí 81 años. Ya vamos a tener 150 locomotoras de vapor, 7 locomotoras eléctricas, más de 4.500 vagones para carga, transporte de mineral y 70 vagones de pasajeros como este de madera. Son vagones del año 30. Han restaurado tabla a tabla y son los mismos vagones que salvo la zona de cristal grande que estaba con la madera, que obviamente eso no era para bueno, obviamente para transporte de trabajadores. Y ahora le hemos añadido un cristal grande para que podamos ver para afuera, es la única modificación de que es el sistema de vagones. Y al otro lado, todo ese montón de mineral de color malva y gris, esto es un terrero. Los terreros es para hacer un proceso metalúrgico, físico y químico, por el cual se oxida el mineral al aire libre sin necesidad de calcinarlo, de quemarlo, para que poquito a poco vaya diluyendo ese mineral que lleva donde el agua de lluvia, o te digo por favor, pero es sol, el agua penetraba hacia abajo y se cargaba con el sulfato de cobre, se pusiera el agua de cobre. Ahora eso se hacía cuando ya se calcinó, cuando se clausuró la calcinación de mineral. La calcinación estuvo vigente hasta el año 1907 y cambiaron los métodos metalúrgicos por estos métodos. Ahí venía el método de obtener cobre. Concentrado de cobre, por el tema de la flotación, la fermentación que es extra o la fundición.
hay tres cosas al disco, ¿eh? Hoy en día en Redito se emplea el proceso de flotación, pero mucho más moderno. Y ahora se va a añadir a otro nuevo método metalúrgico que se está trabajando en él. Mira, aquí están las cosas esperadas. Aquí guardamos, restauramos y reparamos estos antiguos elementos del ferrocarril. Los ponemos en servicio en este ferrocarril turístico minero, una exhibición del propio Museo Minero. A la derecha hay unas torbas, unos descargaderos. Claro, como esto es la zona de bastantes pendientes, y tú en aquel tiempo tan solo tenías trenes, porque no había camiones todavía, no existían los camiones. Claro, para salvar el nivel tienes que poner torba, porque si no, no hay manera para descargar los restos de los desvíos del agua de los molinos harineros que había construido en el río. Había molinos en toda la orilla, de aquí a Huelva había muchísimos, donde tú desviabas el agua con esa represa, la llevabas a otro lado y era llevar el agua directamente al molino para mover aguas de madera que tiran las piedras. Todo lo que es negocio de molino harinero, que era un negocio privado, toda la harina que se producía se la vendía a la compañía inglesa. Claro, ¿por qué? Porque la compañía inglesa necesitaba llevar a los de Tomás, Fontanería, de todo, porque quería 11.000 también personas. Claro, entonces, es decir, mucho más atrás de la minería para dar una aplicación de los ríos. Pero la aplicación del río es geológica. De cómo se configura el estado de los nitrógenos, que es uno de los 500 mineros. En el futuro polimetálico más grande del mundo. Con las aguas subterráneas que están tocando los metales, salen de agua con metal. Yo había pensado que había un montón. ¿Quieres trabajar con ellos? A ver, que te voy a decir. ¿Estás sentado? Oui, je vois, t'inquiète pas. Bon, ben voilà, on est au plus près là. Là, on ne peut pas être plus près. Hop là. Et voilà. Doudou, tombe pas à l'eau, hein. Déconne pas, hein. Parce qu'après, tu sors comme une peau rouge, hein. On a déjà le train. Prends un coussin. Ça te mange une affronte? Attends, papa. C'est bon. Parce qu'après, vous mélangez les couleurs. Oui, après, on va voir celle qui est une lumière, on va trier. J'ai mieux fait de prendre ça, moi. Oui, mais moi aussi. Ah, ils sont magnifiques, là. Ouais. C'est. Ouais, l'eucalyptus, voilà, c'est ça, Doudou, merci. C'est pas tous les deux? Ouais. L'eucalyptus. L'eucalyptus. Attends. De l'autre côté, mon cœur. C'est bien, c'est joli, hein. Bon, en plus, c'est très joli. C'est bon, il fait chaud, oui. Ah, mais oui. Un petit peu moins. Parce que l'escalade. Il commence à avoir trop chaud. Bon, ben on va reprendre la passerelle là-bas pour reprendre le train, ouais, pour revenir à Case Départ. Ouais. Voilà, voilà. Bon, monsieur, c'est génial. C'est bien. C'est vrai qu'il y a une originalité. En fait, il y a beaucoup de fer, de cuivre, il disait. De l'or. Ouais, il y a des mines. Un peu d'or, un peu d'argent. Mais c'est surtout le cuivre et le fer. Alors, j'ai pas tout bien compris ce qu'il disait, parce que moi, en plus, ça résonnait dans le train. Mais je crois qu'il disait que le reste potable et qu'elle s'éclaircit beaucoup plus bas l'eau. Bon, après, j'en boirai pas, moi. Avec tout le fer que j'ai dedans, je pense que je rouillerai. Bon, ben, tout à l'heure. Thank you.
stationnement là-bas. Bah oui.